Le combat de la foi. The fight of faith. Le combat pour bâtir les hommes en Christ. The fight to build men in Christ. Vous notez ceci. Write down this. Dans l'art de bâtir les hommes en Christ. In the heart of building man in Christ. Il y a fondamentalement deux niveaux. There are fundamentally two levels. Il y a un, poser le fondement. There's one, lay down the foundation. Au niveau 1, on pose le fondement. At the first level, you lay down the foundation. Au niveau 2, on bâtit sur le fondement. At the second level, you build on the foundation. Beaucoup veulent bâtir les disciples. Many want to build disciples. Mais ils ne savent pas par où on commence et ils ne savent pas par où on termine. But they don't know where to start and where to end. Viens lire pour nous 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9 à 13. Come and read for us 1 Corinthians chapter 3 from verse 9 to 13. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Amen. For we are God's fellow workers, you are God's fields, you are God's building. Now, according to the grace of God, which was given to me, as a wise master builder, I have laid the foundation, and another builds on it. But let each one take heed how he builds on it. For no harder foundation can anyone lay than that which is laid, which is Jesus Christ. Now, if anyone builds on this foundation with gold, silver, precious stone, wood, hay, straw, each one's work will become clear, for the day will declare it, because it will be revealed by fire, and the fire will test each one's work of what sort of it is. Amen. L'apôtre Paul dit qu'il a bâti, il a posé le fondement comme un sage architecte. Apostle Paul said that he laid down the foundation as a wise architect. Et ce fondement, c'est quoi? And what is that foundation? C'est Jésus-Christ. It's Jesus Christ. Dites amen. Say amen. Vous notez ceci. Write down this. Dans l'art de bâtir les hommes en Christ, in the art of building men in Christ, le plus gros travail consiste premièrement à poser le fondement. The most difficult work consists in first to lay down the foundation. Il faut que Christ soit prêché sans erreur. Christ must be preached without any mistake. Sans confusion. Without any confusion. On doit savoir présenter Jésus-Christ. You must know how to present Jesus Christ. À partir d'une révélation, à partir d'une connaissance révélationnelle. From a revelation, from knowledge. Il faut que Christ soit prêché sans erreur, sans confusion. Christ must be preached without any mistake, without any confusion. Cela est très important. This is very important. Car les sauvés sont ceux qui croient et qui acceptent Jésus dans leur vie. Because they say are those who believe and accept Jesus Christ. Ils croient, ils acceptent Jésus. They believe and accept Jesus Christ. Comme leur sauveur et seigneur personnel. As their personal savior and lord. Vous notez ceci. Write on this. Le jeune disciple. The young disciple. Qui vient d'accepter Jésus.
who has just accepted Jesus, il peut avoir cru pourquoi? Must have believed why? Peut-être parce qu'il est malade. Maybe because he was sick. Peut-être parce qu'il vit sous le joug du chômage. Because he was living under the yoke of jobless. Ou des oppressions. Or under the yoke of oppression. Donc, il peut accepter Jésus parce qu'il fuit les dangers. Or he can accept Jesus because he was running away from dangers. Il fuit les attaques des sorciers. Run away from attacks of sorcerers. Mais il est croyant. But he's a believer. Mais son esprit est hanté par l'image de l'oppression. But his spirit is troubled by the image of oppression. Il faut un travail spirituel. We need a spiritual work. Pour convertir sa foi. To convert his faith. Pour qu'il comprenne qu'il a reçu la foi pour servir Dieu et aller au ciel. For him to receive the faith that he accepted Jesus to receive the faith to save God and go to heaven. C'est pour cette raison que Pierre conseillait qu'il faut ajouter à la foi la vertu. This is why Apostle Peter was advised that you need to have to faith virtues. Pierre montre que on construit la croissance. Apostle Peter was shown that you need to build up growth. On ne se limite pas à la foi qui sauve ou la foi qui guérit. You don't limit ourselves to faith that saves or heals. On se convertit à la foi qui permet de vivre éternellement avec le Seigneur Jésus-Christ. You convert yourself to the faith that allows us to live eternally with Jesus Christ. Tout dépend de ce que le Saint-Esprit a utilisé pour gagner une âme. Everything depends on what the Holy Spirit uses to win a soul. Le Saint-Esprit peut utiliser un échec pour convertir quelqu'un. The Holy Spirit can use failure to convert someone. Mais cet homme qui a été converti de cette manière, but that man was be converted in that way, a besoin du Jésus qui vit éternellement. Need that Jesus that lives eternally. Qui a prié le Père en disant afin que là où je suis eux aussi soient. They will pray to the Father that so that where I am, they too they will be there. Certains jeunes convertis, some young converts, ne savent pas qu'ils doivent obéir à Dieu. Do not know they need to obey to God. Ils ne savent pas qu'ils doivent à Dieu leur obéissance. Do not know they need to render obedience to God. Ils ne savent pas qu'ils doivent se soumettre à Dieu. Do not know that they need to yield to God. Ils savent que Dieu les a créés et Dieu doit les sauver des difficultés. They know that God saved them and God has to take them out of difficulties. Ils savent que Dieu a même dans le monde des pasteurs qu'il utilise pour sauver les hommes. Is that God has brought into the world pastor that God uses to save men? C'est tout ce qu'ils savent de Dieu. This is all that they know from God. Ils peuvent même se plaindre. They can even complain que Dieu les abandonne. That God have forsaken them. Ils peuvent même réprimander les pasteurs. They can even rebuke pastors. Que j'ai les problèmes parce que toi tu n'as pas prié pour moi. They God have backslidden because you have not prayed for me. Tu dois prier pour moi. You must pray for me. Tu dois me chercher. You must seek me. Tu dois me rendre visite. You must visit tu me. Tu dois m'aimer. You must love me. Tu es homme de Dieu. You are a man of God. Voilà tout ce qu'ils savent. This is all that they know. Il faut les convertir. You need to convert them. À la soumission à Dieu. To submission to God. À l'obéissance à Dieu. To obedience to God. Sinon, otherwise, on ne peut pas les bâtir comme disciples. They cannot build them up as disciples. Parce qu'ils n'existent pas encore. Because they don't exist yet. J'ai croisé une jeune fille. I met a young lady. Elle dit, j'ai les problèmes. She said, I have problems. Je ne suis pas marié, je ne travaille pas. I'm not married, I'm not working. Pourtant, je paye ma dîme. But I used to pay my tithes. Et beaucoup ont ce raisonnement. And many have that kind of reasoning. Je paye la dîme. They pay tithes. Je donne les offrandes. They give offerings. Et Dieu ne m'exauce pas. And God do not answer to my prayers. Les choses ne changent pas. And things do not change. Il faut qu'ils se convertissent. They need to be converted. Tu peux avoir 10 ans dans la foi et te retrouver à ce niveau. You can be 10 years old in faith and being at that level. Quand tu dis à certaines personnes, j'ai cru il y a de cela 25 ans, on te respecte. When you tell to other people, I believe that 20 years ago, you are respected. Mais en fait,
ton niveau, c'est le niveau où tu commandes Dieu. But in fact, your level is the level where you commend God. Où tu l'accuses. Where you accuse God. Certains accusent Dieu. Some accuse God. Ils commettent le péché, mais ils accusent Dieu. Dieu ne les a pas protégés. They commit sin and accuse God, and God did not correct them. Ils peuvent même aller s'asseoir dans un maquis. They can even go and sit down in the pub. Et dit Dieu, je vais aller m'asseoir là-bas, mais touche mon cœur pour que je ne vois pas la bière, que je ne vois pas la boisson. God, I can go and sit in the pub, but touch my eyes so that I will not drink the beer. I will not touch alcohol. Quand le serveur passe, il dit, tu veux quoi? Il dit, bon, reviens. Il se dit, oh Dieu, quand il va revenir, qu'il trouve que tu m'as touché. When the barman passes, he says, oh God. He says, come back. God, when you come back, so make sure that you have touched me. Et il revient, il dit 33. And he come back and take it and drink it. Il dit, Dieu permet que ça se casse. He said, God, allow the glass to be broken. Tu es tout puissant. You are almighty. Si tu ne veux pas que je pêche, délivre-moi maintenant. If you don't want me to sin, deliver me today. Après, il boit, il avale. After that, he drinks. Et il se plaint. And he complained. Il faut les convertir à Dieu. You need to convert them to Jesus. Leur montrer que Dieu exige l'obéissance du nouveau converti. That God requires obedience of the young convert. Dieu veut qu'on se soumette à lui. God wants us to submit to him. Ils doivent savoir que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. You must know that obedience is better than all sacrifices. Donc je disais, ils savent qu'ils ont des problèmes que Jésus et ses pasteurs vont les résoudre. They know that they have problems, and Jesus and his pastor will help them to solve them. Poser le fondement est un travail de prière. Laying down the foundation is a work of prayer. D'instruction. Of instruction. D'enseignement efficace. Of efficient teaching. Des enseignements clairs. Of clear teachings. Pour amener le jeune disciple à se soumettre à la vision de Dieu. To bring the young convert to submit to the vision of God. Pour amener le jeune disciple à connaître Jésus avec exactitude. To make the young convert to know Jesus with correctness. Afin de bien pouvoir le servir. So that he can serve him well. Afin de bien pouvoir parler de lui. So that he can speak well of Jesus. Vous notez ceci. Radonvis. Il faut montrer aux disciples, you need to show the disciples que ce que Dieu attend de lui, that God, what God expects from him, c'est qu'il croit que Jésus est le Messie que Dieu avait promis à l'humanité. Is it for him to believe Jesus and to the Messiah that God promised to the world? Écoute ça. Listen to this. Il faut. You need tout faire. You need to do all. Par des enseignements, through your teachings, et par des prières, and through your prayers, des intercessions, your intercessions, tout faire, do all, pour que le disciple croit, so that the young believer you believe, qu'on n'attend plus le Messie, il n'y a pas un autre Messie qui arrive. That you are no more expecting a Messiah to come. Que le vrai Messie, c'est Jésus de Nazareth. That the true Messiah is Jesus Christ of Nazareth. Que les prophètes avaient annoncé. That was announced by prophets. Lis pour nous Luc. Read for us Luc. Chapitre 9. Chapter 9. Verset 18 et 20 à 21. From verse 18 to 21. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question. Qui dit-on que je suis? Ils répondirent, Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, qu'un des anciens prophètes est ressuscité. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre répondit, le Christ de Dieu. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Amen. And it happened, as he was alone praying, that his disciples joined in. And he asked them, saying, who do the crowds say that I am? So they answered and said, John the Baptist.
But some say Elijah, and others say that one of the whole prophets has risen again. He said to them, "But who do you say that I am?" Peter answered and said, "The Christ of God." And he stood the one and commanded them to tell this to no one. Le Christ de Dieu. The Christ of God. Le Messie de Dieu. The Messiah of God. Celui qui doit venir sauver le monde. The one who has come to save the world. Il faut inculquer. Il faut inculquer. Il faut introduire dans l'esprit, dans la pensée du jeune converti qu'il n'y a pas un autre sauveur qu'on doit attendre. That you need to introduce it into the mind, the spirit of the young convert. There's no other one that will come. Après Jésus, that after Jesus, il y a personne d'autre. There's no other one else que Dieu a envoyé. That God brought. Si tu vois, if you see quelqu'un qui vient après Jésus dit que Dieu l'a envoyé, il ment. If you see someone come later after Jesus, they has been sent by God, is a liar. C'est l'époque de l'Église. C'est la dispensation de l'Église. It's the time of the church, the dispensation of the church. Et Jésus est le chef suprême de l'Église. Jesus is the supreme chief of the church. Ce qu'il fait maintenant, what is doing now? Il envoie les ouvriers dans la moisson. He has been sending workers into nations. Il envoie les apôtres. He sent apostles. Il envoie les prophètes. He sent prophets. Des prophètes dans l'Église, pas des prophètes indépendants. Il envoie des prophètes. Prophets coming from the church, not independent prophets. Il envoie des pasteurs et docteurs. He has been sending pastors and doctors. Il envoie des ouvriers, des évangélistes. He has been sending workers, evangelists. Il envoie de ceux qui opèrent les miracles, qui guérissent les gens. He has been sending those who have been operating miracles, who have been healing people. Il envoie ceux qui ont la capacité d'organiser les églises, de les diriger. He has been sending people who have the ability to organize church and lead them. Jésus, le Christ de Dieu. Jesus, the Christ of God. C'est fini. It is finished. Dis amen. Say amen. Lis Matthieu chapitre 16 verset 13 à 16. Read Matthew 16, verse 13 to 16. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis ? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. » When Jesus came into the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, "Who do men say that I, the Son of Man, I am?" So they said, "Some say John the Baptist, some Elijah, and others Jeremiah, or one of the prophets." He said to them, "But who do you say that I am?" Simon Peter answered and said, "You are the Christ, the Son of a living God." Cette connaissance, this knowledge, établit le jeune disciple, establish the young convert, the young disciple, dans l'assurance, into assurance, et protégera son esprit, and you protect his spirits, contre les séducteurs, against seducers, et protégera son esprit, and you protect his spirits, contre les séducteurs qui sont dans le monde, against seducers that are in the world. Matthieu 24, verset 5. Matthieu 24, verset 5. Il y a beaucoup de séducteurs. There are many seducers. Certains viennent sous le nom de Jésus. Some come under the name of Jesus. Donc tu ne peux même pas bien discerner. So you cannot even discern well. Ils parlent de Jésus. They talk about Jesus. Si tu n'es pas vigilant, ils peuvent t'emporter. If you are not, you don't careful, you don't pay attention, they will take you up. Il y en a qui viennent contre le nom de Jésus. Those come against the name of Jesus. Les antichrists. Antichrist. Il y en a qui viennent sous forme d'agneaux, de brebis. Some come as lambs, as sheep. Mais ce sont des loups. But the wolves.
Lis. Reads. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Amen. For many will come in my name, saying, I am the Christ, and will deceive many. 1 Jean 2, verset 18. 1 John 2, verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Amen. La dernière heure. It is the last hour. Et la prophétie qui annonce les antéchrists est déjà accomplie. And the prophecy that announces the antichrist is already there. Il y a des gens dans ce monde qui sont contre le règne de Jésus. Qui viennent faire les bruits avant que Jésus même ne vienne. Pour décourager les gens. Pour les séduire. Et Jésus a dit, si on vous dit que Jésus est dans une chambre, n'allez pas. Ça, c'est l'œuvre des antéchrists. Jean 14, verset 6. John 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jesus, the way, the truth and the life. Il faut inculquer. Il faut introduire dans l'âme, dans l'esprit, au fond du cœur du jeune converti, qu'il n'y a pas deux chemins. Ce n'est pas une affaire de religion. C'est une affaire de chemin, le chemin. Où est le chemin qui mène à Dieu? C'est Jésus-Christ. Ce chemin est une personne. Ce n'est pas un bâtiment. Ce n'est pas une route bitumée. C'est une personne qui a frayé le chemin par son sang, par son côté qu'on a percé. La Bible dit que c'est une route vivante. Une route qui est une personne. Si tu reçois Jésus, automatiquement tu es placé sur le droit chemin. Tu as Jésus, tu ne te perdras jamais. Si tu as Jésus, Dieu ne t'abandonnera jamais. Si tu as Jésus, tu t'approches de Dieu. Dieu s'approche de toi. Tu invoques Dieu, Dieu te répond. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Certains vieux croyants ne savent même pas, ils ne connaissent pas ces vérités-là, d'une façon révélationnelle. Ils lisent ça tous les jours, mais ils ne comprennent pas. Tu introduis ça dans la tête, dans le cerveau. Jésus est le seul chemin. Et les autres religions alors, quelqu'un te dira. Ce n'est pas une affaire de religion, je vous dis la vérité. Et c'est ça. Si tu es chrétien, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu ne crois pas à ça, tu n'es pas chrétien. Merci de ce que Père... J'ai retrouvé le chemin qui m'a libéré, Seigneur.
le chemin qui me donne la joie, le chemin qui me permet de savoir où je vais, le chemin qui me permet, oh Dieu, d'avoir les regards là où il y a le repos. Seigneur, tu es le chemin, tu es le chemin. Tu m'as fait comprendre cela. Seigneur, tu viens d'affirmer que tu es le chemin. À toi l'honneur, au nom de Jésus. Merci pour cette vie, au nom de Jésus. Amen. Que cette vérité, Seigneur éternel, remplisse mon cœur. Que cette vérité remplisse la nation. Que Jésus-Christ est le chemin. Il n'est pas un chemin, il est le chemin. Tu es le chemin, tu es le chemin, tu es le chemin. Oh Jésus, tu es le chemin. Tu es le chemin, tu es le chemin. Donc tout homme doit emprunter ce chemin. Merci Seigneur pour le privilège et la grâce d'être sur ce chemin. Louange, adoration à toi. Amen. Seigneur, je veux te bénir parce que tu ne m'as pas laissé errer, mais fatiguant. Mais c'est parce que tu m'as montré ce chemin. Mais c'est parce que tu as accepté, Seigneur, que je te croise, que je te connaisse, que je te touche. Oh Seigneur, je te dis merci, Seigneur. Mais c'est parce que tu ne m'as pas laissé aller me laisser séduire. Oh, je te bénis. Et je suis heureuse d'être en toi. Je suis heureuse d'être assise sur ton fondement. Je suis heureuse de fixer mes yeux sur toi parce que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent, de ceux qui croient en toi, de ceux qui te cherchent et de ceux qui se reposent en toi. Merci Seigneur pour l'assurance que tu es. Merci pour la vie éternelle que tu es pour moi. Merci pour le repos éternel. Merci pour la vie. Merci pour la paix. Merci pour la joie. À toi la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Seigneur, tu es le seul. Et ce n'est pas trop de l'entendre ce soir, Seigneur. Tu fais bien de nous ramener à l'ordre. Tu fais bien de le crier haut et fort, Seigneur, pour que toutes les pistes ouvertes ici et là se ferment à l'instant même. Et que le chemin Jésus-Christ, oh, cette personne, oh, sois reconsidéré à sa juste valeur. Oh Seigneur Jésus-Christ, tu es le chemin. Tu es l'unique chemin qui mène à Dieu. Il n'y a pas d'autre. Il n'y avait pas d'autre. Il n'y a pas d'autre aujourd'hui. Il n'y en aura pas demain. Tu es l'unique. Tu es l'unique, Seigneur. Que cette vérité s'inscrive en nous. Oh, face à plusieurs alternatives. Que le seul chemin, oh Seigneur, boue en nous, triomphe en nous. Oh, que ta voix soit grande, forte, Seigneur, imposante, Seigneur. Et que l'église en soit remplie, et que la nation en soit remplie, et que le monde, Seigneur, oh, fléchisse. Oh, parce que c'est toi seul, il n'y en a pas d'autre. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Amen. Romains chapitre 1, verset 1 à 4. Romains 1, from verse 1 to 4. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes Écritures et qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Amen. Il faut tout faire pour que cette personne qui est venue à Christ soit sur le fondement solide, sur un fondement solide. Ce fondement, c'est Jésus-Christ. Tu lui dis que Jésus est Dieu. Il était Dieu avant même de venir dans le monde. Mais à cause
du plan de rédemption, il est devenu homme. Because of the plan of salvation, he became man. Pour pouvoir porter les péchés de l'homme. So he can bear man's sins. Et servir de substitut. And serve as a substitute. À la croix. At the cross. Afin de mourir pour l'homme. So that he will die for man. Là où tu es assis, where is it? Quelqu'un a porté tes péchés. Et parce qu'il a porté tes péchés, il est mort à la croix. Il est mort comme les maudits. Il est mort de la mort des hommes maudits. La mort de la croix. Death on the cross. Conçu par la puissance du Saint-Esprit. Dieu a déclaré qu'il est son fils. That is his son. Et Dieu a changé ses papiers. And God changed his papers. Il est devenu ton frère. He has become your brother. Il doit croire à ça. Le jeune disciple doit croire que Jésus, Dieu, auprès de Dieu, est devenu. Il est Dieu, il était avec Dieu, il a travaillé, il a créé le monde. Mais parce que son père avait un projet de rédemption, il fallait un acteur humain. Il n'y avait personne sur la terre. Tous étaient des pécheurs. Il a dit, je m'en vais, oh Dieu, fais ta volonté. Il est venu. Il a fait la volonté de Dieu. Il a déclaré à la croix. Tout est accompli. Il a glorifié le Père. He glorified the Father. Écoutez. Listen. Ça, c'est un point de doctrine très important. This is a doctrinal point very important. Il y a des gens qui discutent souvent, Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu, Jésus est Dieu. There are some people who are discussing Jesus is not God. On n'est pas sauvé parce qu'on croit que Jésus est Dieu. We are not saved because we believe that Jesus is God. Il était Dieu. He was God. Ça n'a pas suffi. It was not si c'était suffisant, il ne serait pas descendu. Mais Dieu cherchait un homme qui peut se donner à la place des hommes. Il cherchait un homme sans péché, innocent. Il n'y avait personne. There was nobody. Jésus a dit, Jesus said, je m'en vais sur la terre I'm going on earth devenir un être humain normal. To become a normal human being. Je ne commettrai aucun péché. I commit no sin. Son père lui a dit, his father told him, d'accord, yes. Je ne permettrai point que tu sois, que tu pourrisses dans la tombe. Les deux ont causé. Il ne permettra point que son nom envoie la corruption. Et Jésus dit, je m'en vais faire ta volonté. Donc, quelques jours avant sa mort, il a rappelé ça à son père. Tu sais que j'avais la gloire avant. Restaure-moi donc dans la gloire que j'avais. Restore me the glory that I had before. C'est une grande prière. C'est une grande prière. It is a great prayer. Cette restauration, c'était la résurrection. That restoration, it was the resurrection. Et dans le passage de Romains, il dit par l'esprit de résurrection.
déclaré avec puissance. Fils de Dieu. Son of God. À partir de ce jour-là, from that day on, pour être sauvé, to be saved, il faut croire à ce Jésus qui était devenu homme, qui marchait dans les rues de la Palestine. Pour être sauvé, to be saved, il faut croire à cet homme qui a porté les péchés, qui a dit à la croix, tout est accompli. C'est une doctrine très simple. Tu peux savoir que Dieu est unique, il a créé les cieux et la terre. Ça ne suffit pas, le péché sera toujours sur toi. Jésus résume tous les sacrifices que Dieu demande pour la rédemption de l'homme. Toute la vie de Jésus, c'est une vie d'offrande à Dieu. Il s'offre. Il donne sa vie. Il dit, j'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Et il l'a donné. Quand tu crois à ce Jésus-là, c'est ça qui donne le salut. C'est pour cette raison qu'il est écrit qu'il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Ceux qui doutent que cet homme qu'on appelle Jésus de Nazareth, ceux qui doutent ne seront pas sauvés. Pourquoi? Ils n'entrent pas dans les acquis de l'effusion du sang. Ils sont privés des bénédictions rattachées à l'effusion du sang. Parce qu'ils ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ, homme. Frère bien-aimé, si Jésus voulait qu'on croie en lui en tant que Dieu, il n'y aurait pas d'incrédule dans ce monde. Il n'est même pas venu juger le monde. Il est venu seulement annoncer la lumière pour que les hommes croient et qu'ils soient sauvés. Il disait, le jugement c'est un autre jour, ça vient. Mais quand les gens qui sont partis pour l'arrêter ont demandé, quand il a demandé, vous cherchez qui? Quand ils ont dit Jésus seulement, là ils sont tous tombés. Il ne les a pas jugés. Il n'était même pas fâché. Vous cherchez qui? Jésus. Tout sa terre. Ça c'est la petite étincelle. Jésus-Christ. Et il a dit à Pierre, si je demande au Père, il peut envoyer 12 légions d'anges, reste tranquille. À la fin du monde, Jésus-Christ homme là, les gens le verront dans sa gloire, avec les cicatrices à la main. Quand il parle, c'est une épée qui sort. Quand il parle, personne ne pourra lever les yeux. Jean l'a vu dans Révélation. L'apôtre Jean l'a vu dans la vision. Il n'a pas pu regarder sa face. Il dit, c'est comme quand le soleil brille dans toute sa force. Frère,
Jésus est le chemin. Jesus is the way. Tu dois le connaître. Tu dois le connaître. C'est le fondement. Tu dois le connaître. Si tu le connais, tu ne seras jamais confus. À la fin du monde, les gens vont chercher où se cacher. Il n'y aura pas de cachet. Il dit, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Jésus-Christ, homme. Jesus Christ, man. C'est ce Jésus qui est entré dans le monde. It is that Jesus who entered the world. Avec le corps de bébé. The body of a baby. Et le diable tremblait déjà. And the devils were already shaking. Parce qu'un enfant est né. Because a baby was born. Hérode a fait tuer tous les enfants de 2 ans en descendant. Tous les enfants mâles. Le diable connaît Jésus. The devil knows Jesus. Il savait que le Sauveur est entré dans le monde. That the Savior has entered the world. Et il manipulait l'esprit d'Hérode. Pour tenter de tuer l'enfant. To try to kill the child. Dieu a parlé à Joseph. God spoke to Joseph. Il prend le petit enfant là. Take the little child. Va en Égypte. Go to Egypt. Alléluia. Hallelujah. Jésus-Christ homme. Jesus Christ, man. Tu dois croire en lui. You must believe in him. Que personne ne te trompe. You know what to see. Il y a déjà des faux débats. Il est Dieu, il n'est pas Dieu. Écoute bien. Écoute bien la sagesse de Dieu. Le salut Salvation. Ne vient pas dans la divinité de Jésus. Le salut vient dans Jésus, dans l'humanité de Jésus. Jésus a porté l'humanité. Jésus, homme, hein, il faut bien noter, homme, a porté les péchés de l'humanité. C'est pour cette raison qu'il est appelé le deuxième Adam. Le premier Adam est à péché, mais le deuxième là, c'est la victoire. Dis, je proclame que Jésus n'a commis aucun péché. Il est le deuxième Adam qui vivifie. Si tu as compris cette doctrine, tu es béni. Et à partir de là, tu crois à tout ce qu'on te dit dans la Bible que Jésus a accompli quand il marchait dans le monde. And from there you believe all that is written in the Bible that Jesus accomplished when he was walking in the streets. Quand on te dit qu'il a dit j'ai soif, il faut croire. Il y a des gens qui disent est-ce que Dieu peut avoir soif? Et vous voyez, ils n'ont même pas suivi la trajectoire. When he said, c'est pour cette raison que la parole dit, si les mondains même, les vrais satanistes et autres, avaient su que si on tue Jésus, l'humanité est sauvée, ils n'allaient pas le faire. This is why the two pagans, you know, if they knew that if they killed Jesus, the world would have been saved, they wouldn't have killed him. Pour eux, ils croyaient que c'était un anéantissement total de quelqu'un. For them, it was the total destruction of someone. Or, c'était la voie de Dieu pour l'amener à la gloire. Dis, je proclame qu'il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Il est là. Si on ouvre tes yeux, if you open your eyes, tu allais voir ce qu'il fait dans cette salle maintenant. You see what he's doing in the world. Il passe
dans les rangées et regarde. Il regarde. Il looks. Et il est heureux et il bénit. And he's happy, he blesses. Il dit, mes enfants ont compris, mes enfants ont compris. Si tu veux prier, prions ensemble. Merci Seigneur. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 5. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui » Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Amen. Ce passage dit que quoi? What does that passage talk about? Que Jésus, that Jesus est Dieu. Is God. C'est par lui que Dieu a créé toutes choses. It's through him that God created everything. Mais qu'un jour, ce Jésus a été déclaré fils de Dieu. That Jesus has been declared son of God. C'est-à-dire, c'est une nomination express parce que Dieu a un plan à accomplir. Et il y a des gens, il y a un courant de pensée dans, à l'époque des apôtres. But there was a kind of thought at the time of apostles. Et ce courant de pensée s'est développé un peu ces dernières années. And that kind of thought developed itself in these last days. Qui veut qu'on croit? That want us to believe. Que Jésus est un ange. That Jesus is an angel. Qui fait partie d'un collège des anges. Who is part of a body of angels. Et c'est pour cette raison que l'apôtre dit que auquel des anges, parmi tous les anges, laquelle est l'ange que Dieu a appelé et a dit tu es mon fils. Il dit, avez-vous déjà entendu que Dieu a appelé un ange et lui a dit oh ange, tu es mon fils, c'est ce qu'il veut dire. Mais il a dit ça au sujet de Jésus. Qui est Dieu devenu chair. Et l'apôtre Jean dit, il faut, si quelqu'un ne croit pas à ça, il est antichrist. Le salut commence que Dieu le Fils devient un être humain. The son becomes a human being, man. Et Dieu lui donne les hommes. And God gives him men. Et il confie leur salut dans ses mains. And he entrusts their salvation into his hand. C'est pour cette raison qu'il est dit. This is the reason why he says. Oh Dieu. He says, oh God. Me voici. Here I am. Moi. I. Et les enfants que tu m'as donnés. And the children. Un jour, Jésus va nous prendre
pour aller présenter à Dieu. Il ne perdra aucun. C'est pour cette raison qu'il faut bien prêcher l'évangile aux hommes. Afin que chacun croit d'une façon authentique. Si tu es dans la main de Jésus, à partir d'une conversion authentique, personne ne peut t'arracher. Personne. No one. Même si tu es faible, even if you are weak, tu seras fortifié. You will strengthen. Et tu vas arriver. You go to the end. Tu vas arriver. You go to the end. Tu verras que chaque année, tu fêtes l'anniversaire en Christ. Chaque année, si tu fêtes l'anniversaire en Christ. Chaque année. Alléluia. Même si tu es venu ici étant tenté. Au nom de Jésus, tous les frères rassemblés ici, nous te fortifions. Va. Dis au tentateur, je ne pêche pas. Dieu m'a renouvelé. Le jeune converti doit savoir qu'on ne remplace pas Jésus. Lis pour nous Hébreux 7, verset 24. Jésus a travaillé. Il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. Il prie pour nous. Il n'y a pas de poste vacant. There's no vacant post. Lis 7:24. Hébreux 7. Hébreux. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Amen. Vous savez, you know, si tu priais au nom des anges, au nom des saints, au nom de Marie, etc. Il faut arrêter. Stop. Va, tu te mets à genoux. Go and kneel down. Tu invoques Jésus directement, lui-même, directement. You pray to Jesus straight out. Si tu es sage, if you are wise, tu dois discerner que je suis en train de te dire la vérité. You can discern that I'm telling you the truth. Les gens se comportent comme si Jésus a fini et il y a un vide et il faut combler le vide. Il a reçu un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Ce n'est pas que ça va de fils en mère, de fils en père, ou bien de père en fils, ou de père en fille. Non. Si tu es devant Dieu, tu dois invoquer un seul nom pour te rapprocher de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il a reçu un ministère qu'on ne transmet pas à d'autres personnes. Il est éternel, donc il est toujours à son poste. Il est mort, il est ressuscité, il est monté, on l'a vu monter. He was dead. He came back to life, and he went to heaven. You saw him going to heaven. Si tu nommes quelqu'un, if you have put someone, toi-même, you yourself, tu te crées les problèmes. You are creating yourself problems. Premièrement, tu ne seras pas sauvé. First, you will not be saved. Et tous ceux qui vont te suivre seront égarés. And all those that will follow you, you will be lost. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Retiens ce verset-là. Et je vous dis une chose. Ne pensez pas que les jeunes convertis sont
tellement faible qu'il ne peut pas comprendre ces vérités. Ne dis pas ils sont petits, ils ne comprennent rien. On va dire ça l'an prochain. On dit ça quand on pose la fondation. Pas qu'après 10 ans, c'est maintenant, après tu viens dire, j'avais oublié de te dire qu'il a reçu un ministère qui n'est pas transmissible. Entre temps, il y a déjà les encens, les bougies, les chapelets, les figurines, partout. Les photos, les effigies des prophètes, partout. Des statues, des sanctuaires. Il a reçu un ministère qui n'est pas transmissible. Qui n'est pas transmissible. Pourquoi? Il vit éternellement. Et lui ne meurt pas comme les sacrificateurs de l'époque de Moïse mouraient. Et on était obligé de les changer, de les remplacer. Lui, Jésus, on ne le remplace pas. Même si c'est par sa mère. Même si c'est par sa mère, entre guillemets. Si tu as les bougies à la maison, les encens, les huiles d'onction, achetées par les faux prophètes, vendu par les faux prophètes. Sold by false prophets. Les bouteilles d'eau. Bottle of water. Les bouteilles de sable. Bottle of sand. Les porte-clés prophétiques. The keynote, prophetic keynote. Va vider ta maison. Va sanctifier ta maison. Go into your house. Go and sanctify your house. Et commence l'adoration en esprit et en vérité. Gloire à Dieu. Le jeune converti doit savoir que Dieu a décidé de délivrer les hommes de l'emprise des démons. Dès le début. Et que l'auteur de cette délivrance-là, la personne que Dieu envoie pour opérer cette délivrance, c'est Jésus-Christ. Ésaïe 8, verset 23, Ésaïe 53, verset 1 à 6, Ésaïe 61, verset 1 à 3, Ésaïe 61, verset 1 à 3, lis pour nous. Read for us. Le psaume 22, verset 17 à 19. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Amen. Il s'agit de qui? Jésus-Christ. Jesus Christ. Si tu ne poses pas le fondement, qui est Jésus, if you don't lay down the foundation on Jesus, tu dis ne volez pas, ne mentez pas, say, don't steal, don't lie. Aimez-vous les uns les autres, Dieu est puissant, Dieu est unique. Les gens ne connaîtront rien. People will know nothing. Ils ne seront délivrés d'aucun péché. Ils n'auront aucune sagesse divine. Même dans nos familles, il y a des gens qui disent, il y a des païens qui enseignent l'amour, aimez-vous. Ça commence par donne la vie à Jésus. Parce que Jésus est, tu commences à citer. Because Jesus is and you start counting. Start. Quelqu'un n'a rien à manger. Somebody has nothing to eat. Tu
Tu lui dis, compte sur Jésus. He said, rely on Jesus. Tous les jeunes convertis qui sont venus avec des problèmes très sérieux et à qui on a réussi à donner Jésus sont devenus des grands témoignages. Mais certains n'ont pas pris ce chemin-là. Dès que quelqu'un te dit, je n'ai pas mangé, tu lui donnes 5 000. Il faut aimer Jésus, hein? Tu vois comment je te donne l'argent. C'est l'amour fraternel, on appelle ça l'amour fraternel. Après, il bouffe l'argent, il prend une partie, il boit le koutoukou avec. On avait donné l'argent à un frère. À quelques mètres, il s'est arrêté pour acheter la cigarette. Et il nous a vus. Moi-même, j'étais là. Quelqu'un est malade. Donne-lui Jésus. Give Jesus. Dieu a tant aimé le monde. God so loved the world. Il a donné Jésus. That gave Jesus. Dieu pouvait donner des solutions pêle-mêle. God gave solution everywhere. Mais il a donné son fils. But he gave his son. Si tu aimes ton jeune disciple, if you love the young disciple, donne-lui Jésus. Give him Jesus. Donne-lui Jésus. Give him Jesus. Nous allons étudier prochainement les éléments qu'on utilise pour bâtir sur Jésus, pour bâtir sur le fondement solide. We will study next time the elements used to build on the foundation and used to build on Jesus. Les actions pastorales à poser. Pastoral actions that need to be laid down. Pour bâtir sur le fondement solide. To build on the solid foundation. We want us to come back next week. En fait, le Seigneur est en train de me montrer une manière divine de parler de la formation des disciples. In fact, God is telling the divine way how to talk about the building, the making of disciples. Il y a une manière de faire. There's a way of doing. Qui est juste mettre la charrue avant les bœufs. This is just to put the call before the chariot. Nous allons réussir. Je ne dis pas qu'on revient dans la formation des disciples. Je dis nous allons grandir dans la formation des disciples. Quand le frère Zach écrivait le livre Faire des disciples, il a écrit qu'il y a beaucoup de défis dedans. Mais on ne peut pas arrêter parce qu'il y a les difficultés. But we cannot stop because there are difficulties. Est-ce que nous sommes ensemble? Are you together? Chaque lumière each light nous permet d'avancer. Allows us to go forward. Même si tu faisais des disciples, even if you are making disciples, va réviser rapidement les méthodes. Go and revise the methods. Tu mets un. Poser le fondement. Deux. Bâtir sur le fondement. Le fondement, c'est qui? C'est Jésus. On le pose comment? C'est ce que nous sommes en train de voir. Il y a une manière de parler de Jésus qui est célébrée même au ciel. Il y a une autre manière qui crée la confusion. On ne sait pas si c'est lui, si ce n'est pas lui. Jésus a demandé à ses disciples, qui dit-on que je suis? C'était la confusion. Mais la révélation donnée à Pierre a établi la vérité. Mais Jésus nous montre par là que beaucoup suivent les rumeurs. That many people
au sujet de Jésus. Ils entendent Jésus, Jésus, Jésus. Et puis ils entrent. Ils viennent s'asseoir. Et aussi ils disent Jésus. Si le fondement est bien posé, il y aura la croissance. Tous ceux qui sont fondés sur Jésus portent beaucoup de fruits. Il y a une puissance qui les garde en Christ. Ça ne vient pas de l'homme. Pour l'apôtre Paul, quand on ne pose pas le croyant sur les vertus de Christ, on obtiendra comme résultat des petits orgueilleux qui tentent de se sauver. Qui tente de s'améliorer pour être agréable à Dieu. Tous ceux qui ne sont pas fondés sur Christ ne peuvent pas être délivrés du péché. Parce que c'est l'Esprit de Jésus qui délivre l'homme du péché. Écoutez ça très bien. C'est l'Esprit de Jésus qui délivre l'homme du péché. Du péché. Comme le péché, comme le principe du mal. Et l'homme qui a cru en Jésus reçoit le pouvoir de se repentir envers Dieu. Receive the power to repent towards God. Dieu délivre par du péché par le Saint-Esprit from sin through the Holy Spirit, et le croyant and the believer, par la puissance du Saint-Esprit through the power of the Holy Spirit, il fait mourir les péchés qui sont dans ses membres. Les péchés. Et il est dit, si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Ça, c'est ta responsabilité. Mais celle du Saint-Esprit, c'est d'écraser la puissance du vieil homme. Est-ce que nous sommes ensemble? Et quand tu es délivré de cette manière, tu veilles sur toi-même. Et le malin ne te touche pas. Viens mardi prochain pour la suite. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse.